Mais maintenant, d'où, je dis à toute population, hein, tout le monde qui était engagé avec nous dans le combat, rendez-vous compte, je dis, hein, nous pas capables encore de so bon lever campé général qui fait pour nous dire, monsieur, s'il vous plaît, bat Boudano, pays n'est pas capable. Mm-hmm. Parce que nous ne pouvons pas attendre que c'est les populations qui finissent de mourir. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas attendre que c'est les grands goûts qui finissent de tuer tout le monde. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas attendre que c'est les pays en général qui finissent de tourner. Je dis à Yoté, dans le premier temps, que des territoires perdus. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas attendre que c'est les Yoté qui ont Haïti perdu. Et c'est là où vous voulez mener nous. Et c'est là ça pour nous lever. Mm-hmm. Donc, une autre fois encore, nous-mêmes, dans pile concertation qu'a fait, maintenant, là, nous avons une grosse activité. Côté, nous avons presque une vingtaine de nouveaux groupes et qui entendent avec nous pour nous mener une bataille pour souveraineté, pour nous mener une bataille pour libérer le pays à des conseils, okay. Pour nous mener une bataille contre la corruption. Là, je dis, nous avons plusieurs groupes parmi lesquels Bloc des avocats engagés, qui a dirigé par M. Caleb, Moleder, qui sont mouvements de bon paquet d'organisations à donner, Alliance PEP, Force PEP, un paquet de groupes qui matin, que nous pourrons travailler ensemble et que nous pourrons relancer mobilisation, hein, parce que le pays n'a pas carré de côté lié. Dernièrement, nous, dans la dernière conférence, nous avons lancé un levé campé général pour le 8 août. Et que tout pays a été motivé pour 8 août. Mais nous recevons des correspondances des associations d'élèves qui fait nous connaître que 8 août là c'est le dernier jour d'examen philo. Dans la correspondance ça a demandé nous pour que nous bâillons chance pour examen ça à fin fait. Donc nous même nous rendons compte vraiment nous pas capable de permettre nous pour que dernier jour examen vraiment pour se joindre dans la rue. Nous concerter, nous parler et nous attendre que journée levée campé ça à la fête dimanche cap 11 août là et dans tout pays hein, et n'a travaille sur ça avec tout groupe honnête pour que nous montrer monsieur Damio que pays a gain monde pour nous montrer monsieur Damien pas qu'à continuer faire nous à boire de l'eau sale ça il a forcé nous boire dit nous et lui propre là nous pas capable et pour nous montrer monsieur Damien que Jean pays ça est là faut que bail pays a une chance parce que là regardez là nous regardez on regarde monde ouais qui là toutes ces générations 1986 là Jean Philippe, je suis là, je suis amitié qui date de plus de 20 ans. Ok, ce n'est pas une expérience que nous avons fait pendant le Nagoumé là. Son amitié qui date de plus de 20 ans. Souci nous, c'est le pays nous changer. Souci nous, c'est le côté pour Haïti sorti côté lié. Hein? Donc, je dis, nous entendons, nous discuter, nous parler. Pour que la mobilisation reprenne sur toute étendue du territoire là et nous mettons poids nous dans la balance là, nous entendons son stratégie commune parce que nous avons une mission pour nous défendre le peuple là, nous avons une mission pour nous défendre la souveraineté des pays, hein. Nous avons une mission pour nous accompagner la population pour nous retirer le côté lié, nous pas qu'à faillir à la mission nous, comme moi dis, c'est harmonie parfaite, nous parler deux, trois, quatre fois par jour. Donc là jusqu'à présent nous entendons là c'est pour qui le début gros mobilisation n'a pas là aujourd'hui nous allons lancer officiellement c'est le 11 à cause des correspondances qui mounio et nous voulons que l'examen passe bien nous allons faire le même à l'autre mounio c'est le 11 dimanche qu'à 11 août là sur toute l'étendue du territoire national n'a pas levé campé pour nous dire non à l'inacceptable. On dit non, accepter ça qui représente la honte de la nation, pour nous dire oui à la souveraineté, pour une bataille, pour nous remettre l'ordre dans le pays, hein, pour le peuple capable de mieux faire. Si nous gardons des blousailles qui ont pété dans le temps, nous clair, bah, elle n'a pas clair là. Si nous entendons ça qui a passé dans le temps, force, et nous dit qu'il force multinationale là, lui-même tout, qui ont même dénoncé, qui critiqué, qui n'en plein là, par rapport à pile matériel, fou là, qui n'y a pas bon, qui n'y a pas bon, qui pas qu'à répondre pour faire travail à gens qui ont souhaité faire là. Donc, nous dit, nous n'avons même mis les lois et même pi mal. Qui ça, nous même n'avons décidé
qui nous connaît mouvement ça, qui là dans le réveil national, frein, qui mélange toutes forces, ça n'a planifié, ça n'a dit là, dans le moment où il est là, je vous dis avec les Parisiens. Bon, c'est eux tous qui étaient là, c'est eux qui prennent pouvoir, ils prennent pouvoir, c'est eux qui députés, c'est eux qui sénateurs, c'est eux qui sont toujours là comme étant défenseurs de la démocratie, c'est eux qui sont toujours là, ils disent qu'ils font une transition de rupture dans les camarades Montana, qui étaient toujours à parler d'une transition de rupture. Dans mes connaissances, que c'est ça, c'est modèle transition de rupture ça que vous avez proposé nous. OPL, qui a un paquet de gens là-dedans, qui était toujours à parler, que tout le monde dit OPL sont partis modernes. M'attend aujourd'hui que OPL mande M. Edgar Leblanc pour le retirer quoi côté lié là. Parce que sans quoi, après deux semaines, trois semaines, après Edgar Lé, ou pas après la rue pour aller parler de OPL encore. Moïse Jean-Charles, je dis pas quoi, Moïse Jean-Charles, on est toujours sous terrain à mobiliser beaucoup de peuples. Pas quoi le cas contre lui à défendre l'indéfendable. Il faut le rendre compte que aujourd'hui, la table est desservie, il y a passé à côté mission que vous avez gagné. Il faut le rendre compte ça pour continuer à exister. Mais il y a fait choix ou déjà, il y a fait choix ou déjà. Il y a montré côté où vous avez gagné. Non, mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Peuple là, juste prendre note. Oui, peuple a pris. Mais je dis à ma place, son dernier appel, ma place avec vous. Parce que c'est des amis, nous te comme parler. Moi, pas quoi que vous-même, vous êtes sous. Pas dit vous espérez, ouais, pas dit vous espérez, ouais, au moins, ils ont qu'on a là, oui. Pas dit vous n'avez pas de rentrer avec vous encore. Non, on connaît population. Vous avez tout dit, peuple ça. Non, là, on connaît. Si vous voulez vous avec vous, ils encore. On connaît le patap Capricha, ça, peuple là, pas d'accepter. N'oubliez pas de questions. On connaît ça. Mais, je dis, il y a un acte de grandeur qui a posé. Il y a un acte de grandeur qui a posé. Il y a tout caché d'ailleurs ensemble, ils font déclaration. Ils disent, ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Ils reconnaissent qu'ils ont induit la population en erreur. Ils reconnaissent et envoyent qu'ils ont été voués et fait une honte. Donc, sous base, ça, ils ont demandé à ça, ils ont déserté, qui était côté eux. Ils ont fait ça. Au moins, les populations administrées, et ce n'est pas négio, mais je dis, si vous avez un petit a fait tout des autres, ça, au lieu de camper pour râler les oreilles, pour frapper, et puis se défendre ou défendre, donc il y a dit petit ça, c'est mission papa qui a fait. Petit ça, c'est mission maman qui a fait. Donc je dis, moi-même, j'ai besoin qu'on ait, et comment monsieur et dame ça, qui sont des dirigeants politiques, sentent-ils, laissez ça. Tout de pour ouvrir radio, c'est scandale. De pour ouvrir radio, c'est bêtise pendant que la situation a aggravé. Donc nous étions quoi? C'est la mobilisation. Nous étions quoi? C'est peuple-là pour prendre des stèles en main. Qu'est-ce qui ça y est? Moi-même, je pensais, pour conseiller-là, comme moi-même dis son conseiller de la honte, de la honte. Tout ça passé. Hein? Donc moi, je pensais que au nom de la morale politique, au nom de la morale politique. Et tout le monde ça a dû démissionner. De tout a dû démissionner. Au nom de la morale politique. Parce que, regardez ça que j'ai là aux États-Unis, dans la question trompe-l'an. Ou après, et là nous pas chita n'a pas crio pour être capable venir mettre main avec nous pour nous ta rendre fort Jacques possible dans nettoyage assainissement nous ta pour nous besoin râteau pelle bourette pour touristes à tout l'autre visiteur senti yo pi à l'aise dans fort Jacques site là doit gagner un bloc sanitaire pour moun ka fait besoin yo nous te gagne ministre touriste là qui était venu qui te mette quelques toilettes pour moun yo ça devine craser toilettes yo bouché. Pas de monde qui était occupé. Le conseil n'a pas porté pour le ministère. Il faut qu'il prenne ce site-là en main. Et les gens sont venus pour nous donner des toilettes conformes aux modernes pour eux. Pour nous accueillir, pour recevoir, si vous avez besoin pour faire, pour séparer la terre ou bien barbare pour entrer pour le faire. Pour qu'on ait de l'eau. Nous avons une citerne qui a un fatra qui cause les pas bien et qui cause tout. En pile, le monde n'a pas prendre de l'eau pour servir. Pour qu'il y ait sécurité sur ce site-là, il y a une disposition qui prend en particulier pour les gens qui prennent le Fort Jacques en groupe
Désormais, yo doit gen nan men yo yon autorisation. Fritzner Orisma expliqué ki jan sa pral fèt kounye a. Mais actuellement, moi même qui représente nous tab pou zone nan, swap vini, kounye a nan mande autorisation et puis pour nous konnen pa n'importe moun k'ap antre pour nous ka identifier et sak pa bon avec sak bon nan mitan nou. Autorisation ta de soti nan men la police et puis lò fin vinn la police même d'abord, lò vinn jwenn mwen encore bon autorisation ça là et puis tout bagay facile pou. Depuis quelque temps, ministère tourisme abandonne de Forjac. C'est quelques moun nan localité sa qui présent soit comme guide touristique fait moun visiter quelques parties nan fora et puis raconter histoire pour faire yon ti kòb. Pour si la yo ki poko vin Forjac, Fritzner di yo pas hésiter, vini gen bon frichè. Ki sa k pou fè le sentir bien tant que nous même jan nou à l'aise là, nous pa tande coup de balle, nous pa tande roche ap voye, nous pa tande bouteille. Pied brayo site Forjac là, c'est là tout moun renmen pou ta vin visiter, nous gen bon frichè, gen bon griyo, tout pral bat wè si nous ta fè zone nan reviv encore. Forjac ki se yon patrimoine historique, yon lye touristique. Autorité oublié s'il existait. Travail réaménagement qui était commencé après tremblement de terre 2010 là pas continué. Pourtant, site là t'es qu'a fait l'argent entrer dans caisse l'État. Fritzner espéré Forjac après retourner salteye en 1986. Pour nous ta wè, Forjac ta vinn tant que l'autre Forjac tant que les touristes canadiens te kon visite nous très souvent. Nous arrivons pour bailler ça tourner encore. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Pour réconciliation nationale a dénoncé conseil présidentiel transition qui après plus passer trois mois pour que j'aime poser aucune action pour améliorer conditions la vie population. Réseau a critiqué certains membres dans conseil là qui gagne non et pas cité dans acte corruption pendant population continue à pas croupir dans misère. Un côté déclaration Ricard Pierre qui se porte-parole organisation aussi là. Dia c'est que peuple a quitté la caille, l'abdormi dans la rue, sous place publique, dans le camion, dans le cimetière. La réalité aujourd'hui, c'est que la mort et la vie ont le même sens. Ils ont dormi sous la même cabane. La réalité haïtienne aujourd'hui, c'est que si vous dormi sans manger, vous allez pied à terre, vous dormi grand goût. Réalité aujourd'hui, c'est que le peuple a sans secours, sans recours. La triste réalité, c'est que la jeunesse a parti, a allé, a quitté le pays, a cherché la vie meilleure, côté la vie qui a sens, côté la vie sous ribayo. Mais c'est pauvre diable. Mais ça qui est triste là, pendant grand goût, à la misère, à tout fourner le peuple là, pendant que vous avez la misère et posé le loyer, une grosse suspicion de corruption qui a déshabillé, mettait tout uni, une quantité de membres dans le CPTA. 100 millions de gouttes, un cadre débit, 20 000 dollars américains, 14 000 dollars américains. C'est ça qui est la seule revendication. Yo. Ou bien sont partis dans la revendication. Yo. C'est souci on parti dans yo on parti dans conseil là ça trop mes amis côte pas peuple là ça n'a quitté pour lui l'injuste est cruel pendant un peuple sans pain a crié la faim et puis pour de soi-disant dirigeants sorti pour départir sacrété comme gratter dans caisse publique là. Ça qui a passé là, ça doit frotter orgueil nous, comme peuple, comme dirigeant. Ça suffit pour foudroyer nous comme monde. Nous-mêmes dans le réseau, leader organisation qui se tient dans quatre coins pays, nous réunis pour exiger réseau, pour exiger rapport immédiat ULCC. Ça qui a passé là, doit intéresser justice là. Justice a dû dire mon parle. Justice a dû parler. Réseau a exigé ça. Et ceci sans printemps. Même conseil présidentiel là, accusé de corruption, suspicion, doit faire objet de poursuites judiciaires. Et ceci sans péditant. Décision de justice là,
de bay occasion si doit être tremper tout bon vrai pour craser définitivement causer couleuvre net neuf têtes ça qui sorti pour finir avec pays a réseau pas dans cas de remplacement pays a doit aller en souffle mes amis nous voulons sembler avec moun nous voulons sembler avec peuple qui compte salver peuple qui a mené destin n'a profité lancer une mise en garde by tout le monde qui voulait simer la troublaille chavirer pays à tête en bas sous prétexte y a défendre CPTA pour dire halte là. Ricard Pierre, mais attention, hein, c'est pas Ricard Pierre qui c'était ancien ministre planification, ancien sénateur de la République, parce que moi, je suis fin rage là, a dit un paquet de causes. C'est pas Ricard Pierre du SDP, c'est plutôt Ricard Pierre, porte-parole, réseau, organisation pour réconciliation nationale. Ok, c'est Ricard Pierre ça qui t'a parlé, c'est pas ancien ministre, là, c'est pas ancien sénateur. Mais moi, je suis pas du tout, non. L'autre nouvelle dans le journal la matin, vocabulaire électoral en créole, c'est un nouveau outil. Conseil électoral provisoire mettez dehors hier mardi 29 juillet. C'est 30, oui. Il y a des documents ça pour aider population à puis bien comprendre processus électoral là et puis bien choisir monde qui pour venir diriger. Vocabulaire électoral en créole, c'est un document 30 pages qui gagne là-dedans diverses thématiques qui gagne pour à question électorale. Plus de détails sous document si là à collaborateur nous Reginald Rémy. Finalement, Conseil électoral provisoire bay tête li en vocabulaire électoral. Directeur exécutif institution ça Max Delis a présenté importance yon document comme ça. C'est aux outils nous fait pour bay moyen pour permettre plus monde participer, la comprendre et éli monde qui pour représenter yo. Objectif ça, li gagne deux aspects là-dedans. Li entrer dans cadre avec principe suffrage universel qui marie tout avec droit civil et politique. Tout le monde dans la société, il doit connaître que l'État et toute institution doivent protéger la liberté, chaque citoyen en général, dignité, respect personnalité, pour avoir protection, la relation même, nous n'avons avec l'État. Rivé à coucher Zev ça pas son bagay facile d'après ça le fait qu'on est. Max Delis te profite sa li implication yon série personnalité dans élaboration vocabulaire électoral là. C'est yon premier outil qui a gagné l'autre outil qui a vint d'elle. Élaboration li, pas facile, du tout. Un pile travail te fait. Un pile aspect te considéré. Un pile expression nous te gardé, nous te révisé. Nous te demandé moun nou, nous gardé, nous comprenons, nous essayons de comprendre li. Il a fallu du temps pour apprendre, appréhender et discerner les définitions, la manière de comprendre des citoyens et des citoyennes. Et comme ça, nous arrivons, tabler nous, camper sous des mots avec des significations, le monde tendez yo, cap dit l'élection, tout le monde vient gagner même compréhension. Vocabulaire électoral là aborde plusieurs aspects dans la question élection d'après Max Delis. Il était profité remercier Académie Créole qui portait en pile changement dans le document si là. Document, il y a plusieurs parties là-dedans. L'un des fins fait texte là, dans Boumaveli, nous allons porter le bayou. Pour eux-mêmes, capable de nous exactement. Parce que il y a un paquet de textes qui vont finir, un paquet de règles qui vont finir définis. Mais eux-mêmes, te permettent nous mieux comprendre, mieux adapter nous pour nous capables de présenter le document ça. Avec ça, et peut-être ça, nous dit tout, un grand merci à l'Académie Créole Haïtienne. Et nous souhaitons travailler ça offert avec nous, seul travail. Avant... élection, nous certains à bien l'autre document, n'a présenté Bayo pour aider nous, continuer à aider nous pour nous présenter le Bayo la meilleure façon pour qu'on comprenne plus bien. Directeur IFES là, Enza Diomande, salue l'élaboration document ça. Li promet, pendant le promet, il y a toujours accompagné institution électorale là. Cela est un témoignage éloquent de ce que le processus électoral est une question centrale dans la marche actuelle d'Haïti. Mais surtout, que vous y attachez une haute importance. Dans une perspective ça, chaque petit pas compte. Le souci de transmettre des termes électoraux essentiels dans la langue du terroir, le créole haïtien, répond à cet important défi.
celui de rendre. Nous vous confions à présent le vocabulaire électoral. Il vous appartient de vous l'approprier, de vous approprier cet outil et d'en faire une large diffusion auprès des populations et des électeurs. AFES et le CEP prennent le pari avec vous, chers amis de la société civile et des médias. C'est un droit électeur gagné pour comprendre le processus électoral dans l'Angyo, d'après Samuel Jean-Baptiste. Représentant académique créole là, t'es profité montrer importants outils si la pral gagné dans le cadre organisation prochaine compétition électorale. Respect droit linguistique de la population pour y joindre tout service dans l'anglais sans aucune forme de discrimination ni fausse côté. Dans la façon l'État haïtien a utilisé langue des langues officielles. C'est ça que nous relè justice linguistique pour les peuple haïtien. Nous félicitons Kepla et l'autre partenaire pour le travail essentiel. Outils ça nous relè vocabulaire électoral là pour aider la population à comprendre plus bien le processus électoral là dans toutes les composantes. Vocabulaire électoral là, c'est un document 30 pages qui permet KEP à mettre le processus là en branle, d'après Clément Judchal, qui t'a profité souligner quelques aspects importants qui gagnent dans le document si là. C'est un paquet important parce que c'est un outil qui gagne en plus en de machine électorale là. Et outil ça, nous pourrons permettre nous non seulement lancer opération électorale, mais il peut permettre nous tout faire formation avec personnel vacataire qui souterrain qui pral travail dans machine électorale là. Vocabulaire électoral là, c'est un document qui gagne la donne plusieurs parties. Parmi les annexes, accord, décret, convention avec loi qui servit base légale pour organiser élection en Haïti, liste département, circonscription électorale, environnement et commune qui t'a participé dans la dernière élection, yo, principale organisation nationale et internationale qui travaille dans la question élection, pour ne citer ça yo seulement. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Ronald Rémy qui t'a présenté un reportage ça. Il fait 7h à 49 minutes dans tout studio Caraïbe FM. Il fait le pour nous recevoir un journaliste à Ibo Post. Nous connaissons qui s'allie déjà chaque mercredi entre 7h30 et 7h45. Même là, nous avons un retard aujourd'hui. Nous toujours recevoir un journaliste à Ibo Post pour capable décrypter un article dans colonne journal là. Ça rentre dans quatre collaborations que nous gagnons avec Mediasar sur ensemble travail. Yo habitué fait mais qui quand même mérité plus attention qui d'intérêt général. Matin, nous pral parler avec Luc Niz du Curest. Okay. C'est lui-même qui c'est plutôt. Ou dire Pierre Saint. Ah ben OK. Pour parler. Ouais, pas de problème. Ou dire Pierre Saint c'est lui-même qui signe l'article là tout le système de taxation juteux des bandits à Carrefour. Nous passons pendant plusieurs fois, nous avons essayé de montrer la population, sensibiliser les responsables sur la question ça. À Carrefour, guerriers de seul, l'État n'a pas existé encore. Carrefour, c'est un exam qui a commandé sur toute la ligne. Eh bien, l'article à Ibo Post, ça, c'est certain, vient confirmer un ensemble de choses. Soit nous-mêmes nous avons dit, ou bien. De source nous gagnons dans la commune, te qu'on est rapporté. Le système de taxation juteux des bandits à Carrefour, tout se paie selon les témoignages recueillis par Aïbo Post auprès des résidents. Tout son besoin Carrefour là, c'est payé pour payer. Mais attention, hein, c'est pas l'État pour payer, c'est bandits. Bonjour, monsieur Widia Pierre, c'est son plaisir pour nous recevoir matin. Bonjour, Karim. Oui, allô? Oui, bonjour. OK. Oui, son plaisir et merci parce que vous êtes disponible pour nous. Nous te bay titre article là, système de taxation juteux des bandits à Carrefour qui ça nous gagne comme élément qui capable démontrer à clair Jean nous démarrer article là que jodi a l'on parle de Carrefour qui sont communes dans la région métropolitaine là, l'État pas existé presque pas ou bien du tout pas.
Exactement. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mon cœur pour vivre une situation assez difficile. C'est justement ce que j'ai écrit, ça qu'on parlait dans l'article, c'est emprise bandit de gagner sous commune Carrefour et emprise ça chita sous plusieurs aspects. D'abord, gagner difficulté pour autorité, continuer faire ça que doit faire en termes de service à population, ça que doit faire en termes de redevance à population, non contexte côté bandit eux-mêmes, ils sont censés monter en puissance. Mais c'est une situation qui n'est pas nouveau à Carrefour, qui n'est pas récent, parce que les jeunes originés depuis quelques années déjà, côté que tu as des cas très certainement qui étaient isolés dans l'année passée. Mais depuis 2023, novembre 2023, après l'attaque bandit au fin de fait dans Mariani, il y a une sorte d'installation constante qui a été faite dans Carrefour, puis bandit au fait, et qui de plus en plus poussé les gens à quitter la commune. Par exemple, il y a dans même mois novembre 2023, ça. OIM, Organisation Internationale pour l'Immigration, était recensé près de 2500 personnes qui étaient quittées et communes que Bandi était poussé quitter. Parmi eux, il y a une quantité qui est allée grécier, à le réfugier grécier. Bon, nous connaissons qui s'est passé grécier tout pour le moment. Donc, à part de monde qui a quitté Carrefour, Bandi que Bandi était poussé quitter, mais tout, il y a installé un poste de péage. Poste de péage, c'est-à-dire des postes que leur passé là, vous pouvez payer. Et peu importe où c'est mon marché, vous pouvez payer. Peu importe où c'est une moto, vous pouvez payer pour ça. Ou une machine, vous faites transport public, ou bien vous faites transport privé, vous pouvez payer pour ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que ça aussi est sur route nationale. Là. Mais même dans la commune, dans la zone qui est gaspillante, il y a une installation poste de péage ça et au-delà du poste de péage, il y a une taxation vraiment qui est structurée, qui structurée dans la commune Carrefour, côté que même citoyen qui est dans la commune, il a payé pour ça, pour une capacité. Il a payé pour une capacité. Si vous voulez quitter la zone par rapport avec malaise pour continuer à exister dans le contexte de sécurité dans la commune, ils sont obligés de payer tout. Et si vous voulez retourner, vous devez payer pour ça. Et ça, c'est pour les gens qui vivent dans la commune, la famille, mais tout, les gens qui ont un commerce, les gens qui ont une entreprise, boutique, installation, quoi que ce soit, de sac pipit, qui arrivent dans sac pipit, ou j'ai payé pour continuer à fonctionner dans la commune Carrefour. Et ça, les alarmés citoyens qui étaient déjà avec une situation difficile, mais qu'on a vient accentuer, qui vient empirer avec inaction autorité, parce que la police tout de même n'est pas capable de continuer à fonctionner normalement dans la commune. La mairie a fonctionné à demi-teinte. Dernièrement, 7 jours se passer, nous étions obligés de transférer un groupe de prisonniers qui étaient dans le commissariat Carrefour, transférer de l'autre côté, dans le même contexte, ça que la PC a été créé. Donc, c'est une situation qui est très difficile pour Carrefour à Carrefour à Dieu, et ceci dans presque toute commune, dans toute section communale qui est dans la commune Carrefour. Parler de plusieurs structures étatiques et à plusieurs niveaux, il y a la police, il y a la DGI, il y a les tribunaux, on font petit camper sur la police là. Est-ce que si nous comprenons bien et ça on va essayer d'écrire nous là au niveau de Carrefour aujourd'hui et différentes stations de police ou bien différents commissariats, c'est des bagages qui pratiquement vide, donc pas aucun policier là-dedans. Justement, il est très difficile pour la police de continuer de travailler. Normalement, la police continue à aller dans la poste, dans le contexte ça que nous avons essayé d'écrire. Là, parce que, c'est une présence qui est envahissante dans la commune. Et en face, là, pas de résistance. Donc, le fait que pas de résistance, ni pour côté autorité, public, ni pour côté population, qui était à l'époque, dans la période avant, qui était organisé pour faire résistance, pour créer des groupes de résistance, mais ça ne vient pas exister encore.
la police lui-même non plus pas qu'à répondre à exigence que le droit de répondre par rapport avec situation en une réponse appropriée. Donc du coup la police est censée absente dans la commune Kafou. Il y a des business qui ont fonctionné. Bon, si oui, comment ils ont arrivé à exister? Parce que nous apprenons et il y a des entreprises qui, je dis, gagner du seul à bail service ou bien à bon service et bien à service au niveau de Carrefour. Ils ont obligé de payer bandits. Mais attention, information privée joint nous, c'est pour seul. Matin, il y a un monde qui touché, ou bien semaine, il y a un monde qui touché, l'autre semaine, il y a un autre monde qui touché, qui dit comme ça, c'est telle zone, c'est tel chef qui voulait. Comment nous arrivons à jouer une donnée et ça, des entreprises, des business, et je dis à la pour exister dans Carrefour, ils sont obligés de collaborer avec la gang dans le pays de manière périodique. Il y a justement des entrepreneurs, des entrepreneurs, des groupes entrepreneurs que nous devons parler avec dans le cadre. Enquête ça, qui justement révèle organisation, organisation, structure ça. Ils ont payé justement pour ça et ont gagné des mondes même, des chefs, on va dire, qui viennent demander au corps et conditionner ça par, pour continuer à exister, continuer à fonctionner normalement. Donc, dépendamment de taille en tout besoin, dépendamment de pour ce bâtiment, de ça, comme marchandise, ou payer pour ça. Ou son petit marchand, ou qu'il y a 200 gouttes, 250 gouttes par jour, donc ou payer. Ou bon goût entreprise, ou moyenne entreprise, ou qu'il y a 2500 gouttes jusqu'à 5000 gouttes, et même plus. Donc, c'est comme ça, il y a toute une organisation, j'aime ce décrit d'ailleurs, il y a toute une structuration de rassemblement, ça, qui a fait. Et y a, voilà, c'est comme ça fonctionne. Service public, conseil de réalité à connaître. Par exemple, nous apprenons tout conseil de zone là pour nous joindre de l'eau. Il y a une difficulté parce que bandit a pris contrôle en série de vannes d'alimentation. Est-ce que c'est le cas et à partir de travail nous faire? Yeah, exactement. Gagner en source d'alimentation que bandit a pris contrôle à un certain moment. Il y a pris contrôle et ont empêché les gens qui sont alimentés par tout ça, les difficultés pour les jeunes. Justement, magistrat, il y a un nom, mais il faut justement révéler ça sans pas de trop de détails sur ça. Mais c'est des situations qui arrivent. Parce que, j'aime ça dire tout à l'heure, il y a une prise totale de gangs de bandits sous commune Carrefour et son emprise qui a qui pas gagné qui est panier tout court. Nous sommes parlé par exemple de transport privé, de machin, de la mairie, de la police, de PGI, etc. C'est tout là qui pas qu'à fonctionner normalement par rapport avec une prise envahissante que quand il a gagné dans la commune Carrefour. Nous parlons d'un ensemble de monde aujourd'hui qui peut quitter la caillou dans Carrefour parce que yo ka font on déplacé pour un et puis pour deux bandi piller toute caillou là et même saisir nous même et fait état donc à côté que gon zanmi qui quitter caillou guerrier puis elle tourner yo dit pour le payer pour l'entrée là-dedans ben non plus explication sur ça non. Yeah, justement, taxation équilibrée même à niveau conditions pour continuer dans le cas que vous gagnez la commune. Donc, vous payez pour ça. Donc, vous payez sous rété dans le cas, hein? Sous décider rété, vous payez. Si vous avez une nécessité pour déplacer, vous payez pour ça, déplacer. Hein? Et si vous avez retourné, vous payez pour ça. Justement, nous avons des gens qui nous parlent dans le cas de travail, là, qui révèlent de l'argent qui vous payez pour vous prendre la caillou. Bon monde qui par exemple paye 10 000 gouttes pour le déca retourner la caille. Donc ou pas qu'à dire non, ou pas qu'à dire non parce que pas une personne dans l'autorité pour carréler pour faire comme le carré avec petit ou bien pour refuser là comme ça sont obligés faire parce que bon c'est eux qui ont contrôle et toute bagage, c'est eux qui gagnent autorité à pour rien. Donc moni obligé ça qui t'a déplacé je connais conditions. Mais ça qui était au même priorité, mais avec des conditions.
tout c'est pas seulement businessman yo mais grande entreprise yo qui gagne l'argent à verser by bandi yo dit non même petit machin k'ap vend nan ti qui est allé marchandise dans marché guerrier k'ap vend à terre qui a vend sous traiteur guerrier de seul yo l'argent yo payé qui varie entre 250 gourdes rivé jusqu'à n'importe 5000 gourdes 2500 gourdes.